Ok, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant santé waay virtuel bi. Anna Ndiaye. Anna Jessica Ndiaye. Oui, Anna ndeysaan. C'est que Anna, traumatisme yi mu dund bari na lool 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 lool. Moom nag ndeysaan, elle a vécu des choses très difficiles. Déjà Anna, quand elle était adolescente, ay booru, gis nga 11 ans, 12 ans, les problèmes ont commencé. Anna daal, elle vivait sa vie bien, jiki-jiki rek. À partir d'un certain moment, rek, tchouf, chaque mois, les règles sont arrivées, les menstruations, les anglais, les ragnagna. Vraiment. Hein? Dans ça, tu as dû, alors que tu n'avais que 12-13 ans, t'habituer à mettre des serviettes hygiéniques. À l'époque, il n'y avait pas les trucs qui se pliaient. Tu mets le Cotex Freedom ou le Vanyabi. Tu mets ça entre les jambes, ça te frotte des deux côtés. Ça se tord au milieu, ça dégouline, ça coule. Tu ne sais pas ce. Et puis Anna Ndiaye continue son chemin. Il m'a amené à 16, 17 ans. Si elle est sage, elle est tranquille. Puis elle n'est pas sage. Le jour de la nuit de noces, à l'attaque, bombardement de Anna Ndiaye. Le jour de l'accouchement, bombardement de Anna Ndiaye. Ménopause, bombardement de Anna Ndiaye. Et pendant tout ce temps-là, Anna Ndiaye dal, soit mou ou con, soit mou toi khep. Parce qu'en réalité, Anna Ndiaye, elle a toujours des pétards de quelque chose. Soit elle a des démangeaisons, soit elle a des odeurs, soit elle a des poils, soit elle a des boutons, soit elle a des MST, soit elle a des saignements, soit elle a des mais c'est très compliqué, c'est pas facile. La vie d'Anna Ndiaye vraiment n'est pas très très facile. Ça c'est le côté physiologique et médical. Maintenant il y a le côté hygiénique, parce que quand tu es avec un homme, il s'en fout de tous tes problèmes. Lui il veut une Anna Ndiaye fraîche. Mais Anna Ndiaye, elle est fraîche quand? Yo, tu as vu ce yin de journée avec le chaud soleil. Tu as les jambes fermées toute la journée. Ça fermente là-bas. Bonne fraîche. Hein? Ça, on doit donner l'oufré. Perte blanche, on doit donner l'oufré. Règle, dérègle, on doit donner l'oufré. Mais il faut qu'Anna Ndiaye soit fraîche. C'est dur. C'est une chose et son contraire. Donc, les chéris, Anna Ndiaye, dal, souyebo, n'en baye un, d'ici de sabou, d'ici de gel intime, akimel non. Anna Ndiaye, dal, ndoch, ndeysan. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que yenn xéti saw ak yenn xéti ki ndor kessé mënulou ko dara. Mais bon, c'est comme cela. Après, chacune fait comme elle veut. Peut-être quand tu vas aller voir Ndiaye, tu essaies de... Voilà. Ok? Quand tu as les règles, ah, il faut laver. Il faut laver à l'eau et au savon de Marseille. Il faut faire quelque chose. Parce que le sang séché, le sang fermenté, ça sent trop fort. Quand Eugène est rentré dans Anna Jessica, quand Eugène a... cracher dans Anna Jessica. Il ne faut pas laisser ce que Eugène a laissé là-bas, fanane. Ça ne doit pas dormir la nuit. Le matin, ça sent pas bon.